le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, un dauphin. Hi everyone and welcome to Drawing with Paolo. Today we're going to draw a dolphin. So here's the dolphin's back. Voici le dos du dauphin avec une belle courbe en C with a nice C curve. And then we're going to curve that around to do his belly. Nous allons maintenant courber cette ligne pour faire son ventre. Alors voici le ventre, la poitrine et le ventre. Here's the chest and the tail over here. And then we'll add the tail section right here. Et nous allons maintenant ajouter la queue de ce côté-ci. Voici la queue du dauphin. Here's the dolphin's tail. Just like any fish tail, comme n'importe quelle queue de poisson, pratiquement. Alors, nous allons maintenant lui faire le bec. We're going to now draw his nose, or his beak, or whatever you call it on a dolphin. You can leave me a message to let me know. Si vous voulez me laisser savoir le nom de cet élément, le museau du dauphin, envoyez-moi un message sur YouTube. Voici sa mâchoire du bas. Here's his lower jaw. Bring that all the way into his head. Nous emmenons cette ligne jusqu'à sa tête, ici à la mâchoire, à la joue. We'll bring this line here. We'll erase that. Get rid of that. On efface les lignes. Maintenant, nous allons lui faire sa poitrine un petit peu mieux. Nous allons redéfinir les lignes. We're going to redefine certain lines and add his a lip line here. On va ajouter une petite ligne de lèvres et ensuite, bien sûr, son œil. Let's add his eye right here. There we go. We're going to color that all up in black. Nous allons tout colorier en noir. Et n'oubliez pas de laisser un petit reflet. Don't forget to leave a little reflection in the eye to give it a little bit of wetness. Nous voulons faire en sorte que cet œil ait l'air vivant, réel, donc un petit peu mouillé avec un reflet blanc. Et maintenant, sa paupière. Here's his eyelid. And we'll give it a little bit of a skin thickness underneath. Donc, une petite épaisseur là, de peau en dessous de l'œil. Ces lignes ici qui viennent de la tête qui s'en vont vers l'œil sont des lignes de couleur. Nous allons les colorier plus tard dans l'illustration. These lines are going to be colored later on within the illustration. And we're going to add a few lines where the shading is going to be. Nous allons ajouter quelques lignes qui démontrent où seront les ombres dans quelques instants. Ajoutons son aileron. Alors, l'aileron de droite. Here's his right fin. Comme ça. Just like this. Then we're going to add like that. There's a two-tone to dolphins. Il y a deux couleurs aux dauphins. Donc voici, la partie supérieure sera grise, la partie inférieure sera un gris pâle. So the top part will be a dark gray and the bottom part will be a light gray. And this attaches right into his left fin. Et ces deux tons s'accrochent à son aileron de gauche. Que nous dessinons maintenant. Et ces lignes, nous pouvons les effacer. Let's erase those lines within the dolphin fin. There we go. Now, we're going to retrace the outline. Nous allons retracer la ligne de contour. Just like this, comme ceci. En assombrissant certaines sections. En faisant une ligne un petit peu plus épaisse parfois et plus mince par d'autres fois, ben ça donne un beau réalisme à l'illustration. So by making certain lines thicker and certain other lines thinner, you give a great realism to your drawing. We're going to darken the eye a little bit, give it a bit more shading. Nous allons assombrir l'œil un petit peu pour donner un petit peu plus de réalité à l'œil. Voilà. There you go. All right, let's keep tracing the outline. Donc, on continue avec la ligne de contour en ajoutant quelques détails de plus. Il y a bien des gens qui me demandent pourquoi j'envoie seulement qu'une vidéo bilingue maintenant. C'est parce que ça me prend 7 heures à télécharger une vidéo sur YouTube. Alors, vous pourrez comprendre que passer 14 heures pour deux vidéos, j'ai pas d'intérêt pour ça. Alors, c'est pourquoi je fais maintenant mes vidéos bilingues. Lorsque j'aurai une connexion plus rapide, je pourrai en envoyer, comme je faisais avant, une vidéo française, une vidéo anglaise. So, a lot of people have been asking me, while I color this, why I've been sending up bilingual videos. Well, essentially, it's because it takes me 7 hours to upload one video onto YouTube. And so, 2 videos takes 14 hours, and that's not time I can spare. If ever I get a faster internet connection, then I will send up 2 videos, one English and one French one. So let's add some details to the forehead. Nous allons ajouter quelques détails au niveau du front maintenant. Ce sont les lignes guides qu'on a dessinées plus tôt, qu'on peut maintenant colorier.
those lines that we added before, we can now color. And for the rest of the dolphin, essentially, it's just adding some shading. Donc pour le reste du dauphin, tout ce qui reste, c'est d'ajouter des ombrages. Alors un peu partout, on donne plus de volume en ajoutant de l'ombrage. So we add, while adding shading, the point is to add volume to your dolphin. So we're going to color this whole part here in a light gray, and then add more darker grays as we play with the light reflecting off the dolphin here. Alors nous allons ajouter un gris plus foncé ici, à l'endroit du gris un petit peu plus pâle qu'on voit là, pour donner des volumes à notre dauphin. Si vous trouvez que je dessine trop vite, n'hésitez pas de cliquer le bouton pause sur votre vidéo YouTube pour pouvoir me rattraper. If you think I'm drawing too quickly, please don't be shy to click the pause button on the YouTube video and catch up to me, and then hit play again. What I tend to recommend is watch my video once and watch it again so that you can, well, you know what to expect essentially while I'm drawing. So you watch it the first time, and then watch it a second time and follow along. Ce que je recommande généralement, c'est regarder ma vidéo une fois au complet, en entier, et ensuite, lorsque vous savez ce que je vais faire, réécouter la vidéo en me suivant, donc en dessinant en même temps que moi. Alors, nous allons assombrir la queue ici, faire en sorte qu'elle ait l'air beaucoup plus lointain que le reste du corps du dauphin, et nous allons créer un dégradé, donc d'ici à là. So from the bottom of the tail to the midsection of the dolphin, we're going to create a gradient by coloring from here all the way down. Alors, ce dégradé fait en sorte de pousser la queue vers l'arrière et vers le bas. Donc, ça la met un petit peu plus, ça l'assombrit, ça la met dans les ombres. Et c'est ce qui est intéressant dans l'illustration avec des tons différents. So, darkening the tail pushes it back and makes it farther away, which sort of helps out with our dolphin in the position that he's in. And then we're going to darken the top part here. Nous allons assombrir ce côté-ci pour donner encore un peu plus de volume à notre dauphin. So this in turn will give a bit more volume to our dolphin by adding this gray shading right here. To make the fin pop out, we're going to make it a little bit darker here at the top part of the fin. Donc pour faire en sorte que l'aileron sorte un petit peu plus, nous allons rendre ça plus sombre à côté de l'aile. Et ceci, cette ombre-ci, va jusqu'à côté de l'œil. This shading goes all the way down to the side of the eye. Just like that. Let's darken this other fin. We'll make it nice and dark. Cette autre aile, l'aileron de droite, nous allons la rendre beaucoup plus sombre aussi. Et je tiens à vous rappeler que mon livre « Dessiner des formes géométriques simples, dessiné comme Paolo » est maintenant disponible sur l'iTunes Store. Et celui-ci est disponible pour 4,99 € et seulement pour iPad. Alors, donc, si vous êtes intéressé, allez voir mon livre sur l'iTunes Store. Cherchez tout simplement pour « Dessiner comme Paolo ». Et c'est un livre sur la philosophie de l'illustration, comment voir des objets et dessiner des formes géométriques simples en 3D. Donc, si ça vous intéresse, un petit 5 € bien dépensé. So, if you're interested, my book Drawing Basic Shapes with Paolo or Drawing Like Paolo is now available on the iTunes Store. Go ahead and check it out. It's $4.99, or $5 if you'd rather, or €5. Go ahead and check it out. It's really to learn how to see objects before you draw them, and then drawing basic shapes in 3D. Check it out, leave me some comments, and I hope you like it. And here we go, we're going to put his blowhole, donc nous avons le trou de respiration de notre dauphin en haut. Et nous allons assombrir un petit peu plus ici la connexion entre son museau et son front. We're going to darken this area here, which connects the beak and the head. Add a bit more shading here on the chin area. On va ajouter un petit peu plus d'ombre ici au niveau de la mâchoire et du menton. Donc encore une fois, pour déconnecter un peu l'aileron de son corps, on va rendre ça plus sombre ici à l'arrière. Et voilà quelques autres détails pour notre dauphin. So a little bit more details here, and we can get rid of all these lines. We don't need this stuff anymore. There you have it. I hope you liked my drawing today. See you next time, another episode of Drawing with Paolo. J'espère que vous avez aimé mon dessin aujourd'hui. Je vous verrai sur un autre épisode de Drawing with Paolo.